Nous, on est très très heureux de revenir, à chaque fois. C'est un bonheur, parce que nous ne sommes pas des loueurs à la base. Hein, on fait ça, mais un peu au coup par coup. Mais c'est vrai que là, quand les coups sont joyeux, lumineux et aussi amicaux, eh bien, on ne se fait pas prier pour revenir planter l'épingle du chapiteau pour la boule à facettes. Première fois, jamais venu à Soissons, jamais dans la région, vraiment je débarque, la Picardie connaît pas, je viens du Nord et je bouge pas trop, voilà. Et comment ça te paraît là? Eh ben bien, ça va, ouais. En plus le temps est là, ça va, il y a du monde, plus de monde que ce à quoi je m'attendais. Mm-hmm. Ah, tu pensais que c'était un petit festival en fait? Je pensais qu'il y aurait moins de fréquentation, ouais, je savais qu'il y avait 40 000 personnes à Soissons, du coup je pensais qu'il y aurait moins de monde. Quoi. Voilà, j'étais vachement agréablement surpris au loin, comme ça, là, voir tous les gens et puis se dire « Oh là là, tous ces gens-là, ils vont arriver vers moi après. » Ouais, là, il n'y a personne hein, en même temps. Ouais, évidemment, mais c'est normal que ça n'a pas commencé. Et cela dit, on m'a dit que ce soir, il y allait avoir plus de monde que hier soir. On se canalise là, pas de débordement dans les foules, on se canalise. On garde, voilà, pas de panique, on se canalise. Demandez le programme. Le programme de la boule à facettes, gratuit, messieurs, dames, gratuit. Ça correspond tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai insisté pour que les Mini Facettes se passent sur Pali, parce que j'aime votre côté, déjà le côté sympathique, côté où vous êtes pas guindé, vous êtes cool, je trouve ça super sympa, qui correspond plus à mon côté, pas mon côté costard aujourd'hui, ça serait plutôt votre côté, et puis le côté, je veux dire, diversité d'activités. Ça, c'est ce qui me plaît énormément. C'est génial. Voilà.